Bon, salut tout le monde, ça y est, les affaires reprennent. Petit essai Yamaha Tracer 700, comme vous pouvez le voir, elle est bleue. C'est un cheval. Bon, la selle, franchement là, elle est confortable. La boîte de vitesse, elle passe bien. Le sélecteur, il est un peu haut, on dirait qu'il faut des bottes. Enfin là, je suis en basket, j'avoue. Je suis venu en voiture. Le tableau de bord, il est archi lisible. Il est carrément devant toi, quoi. L'ergonomie, elle est bien. Guidon, repose-pied, tout ça. Salut. C'est pas mal. Bon, le moteur, il a l'air bien. Il reprend bas dans les tours, il a l'air souple. Regarde, c'est en 3e à 20, 7, 30, pour dire. Bon, là, en A2, elle est bridée. Oh, le témoin de rapport engagé, il est juste là, vous voyez. Énorme. Petite prise 12 volts. Barre pour le GPS, ça c'est bien, hein. Franchement. Pour te mettre debout. Wow, le suspension, ils ont l'air canon. Frein avant réglable. Embrayage, il n'est pas réglable, mais il a l'air un peu loin. À moins qu'il est un peu haut, je sais pas. À voir. Frein arrière. Il est bien placé. Bon, il ralentit. Hein. Le frein arrière, il est bien accessible. Les pneus, ils ont l'air de bien accrocher. Ils ont l'air tendres. Bon, ceux-là, ils sont gentils comme de Dan. Ah, la selle, j'adore. Ah, franchement, j'adore cette moto. T'es sur ton cheval. T'es bien droit. Guidon hyper, enfin hyper large, on va dire bien large. Vraiment pour moi bonne conduite, hein. Je fais 1,78. Je suis bien. Ah, des petits sauts, c'est beau. Ben franchement ça plonge, mais c'est bien progressif. Mais la boîte elle est hyper courte. Franchement, après c'est bien pour l'off-road. Mais franchement bien. Pour se balancer elle est bien. Allez, petit saut. Hop, hop. Ouah, ça incite. Hein. Ouah, les joueuses. Ah, les petits retours. Les pneus, ils mettent en confiance. Franchement, j'adore les pneus. Bon, là je sens le bridage quand je la ressouille. Non, fais attention, on voit rien. Là, c'est bon. On voit. Elle tient bien le cap, hein, franchement. C'est bon. Bon,
Bon, franchement, il y a moyen de rouler vite. Ben, ce que je vais retenir, c'est les suspensions. Oh putain, je suis bloqué. Voilà. Ça lève un peu en première, gentiment. Alors ça dit quoi là? Oh, il y a moyen. Faut pas qu'il y ait trop de boue. Oh, il y a de l'ornière. Réunion de braquage. Oh. Wow. Allez, au deuxième. C'est bon. Ça passe bien. Bon là, je fais gaffe. Je dois avoir les pneus sales. Sous le moteur, il est super souple. Et la boîte est courte, ça fait qu'on dirait que c'est encore plus court. Regarde, je suis en 5e à 50. Bram, ça tracte. Ouais, la bulle elle protège pas trop les épaules, je le sens là, le vent là. Mais au niveau de la tête ça va, ça protège un peu. Plus que ce qu'on pourrait penser. Ouais, elle est facile. C'est un site à foutre le bordel un peu. Hein. À rouler vite quoi. Et ces motos trail un peu GT, enfin pas GT mais c'est trail et c'est GT, mais c'est à rouler vite vu qu'il y a une bonne protection. Un roadster au moins tu sens tout le vent hein, comme je dis à chaque fois. Et... Voilà, moi pour mon permis c'est pas bon ça. Franchement les petits villages en troisième, t'es vite à mi-régime. Hein. Et pour moi elle est confortable. La selle, elle est étroite, mais en même temps, ça fait un peu selle confort, ça fait gel un peu. C'est pas tu t'enfonces après, t'es tout de suite sur le dur, quoi. C'est... Non, franchement, t'es bien. Ah, franchement, ce son, discret mais beau. Rond, rondouillard. On dirait qu'il postillonne des petits plap-plap, mais vraiment discret. C'est un Louvence. Franchement, le moteur, il est bien, j'adore. Moi, j'aime bien le compteur. Hein. Il est pas PFT, il est pas couleur ni rien, mais franchement, ça va, il passe bien. Le réservoir, bah, il protège bien, ça va. Moi, j'ai de l'air au niveau des tibias, des chevilles, des pieds. Donc, tout là, c'est protégé ici. Pour le tout-terrain, bon, bah, de ce que j'ai fait, bah, elle est vraiment pas mal. Après, voilà, moi tout terrain, c'est pas mon domaine de prédilection. Et si c'est moto à tout faire, franchement, j'adore. Après, niveau prix, par rapport à la moto, franchement, ça va. Bon, allez, re-salut tout le monde. Ma caméra a coupé. J'étais en train de faire essayer de la Ténéré 700. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, très très bonne moto. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao!